Bonjour à tous, n'hésitez pas à vous installer, la présentation commence dans 5 minutes. Vous pouvez vous installer sur les chaises devant vous. La présentation commence dans 3 minutes. 3 minutes. Bonjour Facebook, nous allons commencer d'ici 2-3 minutes le live et les gens qui sont physiquement présents dans la salle, vous pouvez aller au premier rang, il reste de la place et sur les côtés, n'hésitez pas à vous avancer.
Ça va commencer. Un, deux. Ah, ça marche. C'est bon? Ouais. Merci, ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Aurélie Mézières, maire de la commune de Plessé. Donc, je vous fais juste un petit mot d'accueil et je vais rapidement laisser la parole parce que les élus qui parlent longtemps, c'est pénible. Je voulais juste vous dire qu'on est extrêmement honorés de vous avoir ici aujourd'hui. Ce projet nous tient particulièrement à cœur et on est très heureux que vous ayez choisi notre commune. Je tiens à remercier tout particulièrement l'association Hameau Léger qui nous accompagne avec un professionnalisme impeccable. Et je remercie très, très, très chaleureusement mon adjoint qui va se présenter, Thierry, avec son comité qui a fait un superbe travail. C'est vraiment eux qu'il va falloir applaudir. Moi, je suis juste là pour, comme d'habitude, représenter la commune, mais c'est mon adjoint et son comité qui ont fait tout le boulot. Merci. Ben, passez un excellent week-end. J'espère que bon, voilà, le soleil n'est pas vraiment là, mais il est dans les cœurs et les sourires sont sous les masques. Voilà. Ah, Thierry, vas-y. Merci Aurélie. Bonjour. Elle a tout dit, Aurélie. Du coup, moi, je suis Thierry Laure. Je suis adjoint. Je suis président du comité cadre de vie et transition territoriale. Donc, on a quelques éminents membres parmi nous. C'est un comité, ça veut dire qu'il n'y a pas que des élus. En fait, on aura l'occasion de présenter le fonctionnement de la commune en début d'après-midi. Quand il y aura des groupes qui seront sur le terrain, il y en aura d'autres qui seront là. Et puis nous, on pourra présenter à notre projet politique, parce qu'on a un projet politique fort. Quand il y aura des groupes qui seront sur le terrain, il y en aura d'autres. Et du coup, on danse en comité avec des habitants et des élus qui, voilà, sur tous les sujets. Et le premier boulot de mon comité, c'était de bosser sur la résilience des territoires. Et avec le projet d'habitat réversible et d'habitat participatif, et ben on voit que ça coche plein de cases de la résilience. Du coup, c'est hyper pertinent pour nous. C'est comme ça qu'on est entré en contact avec Hameau Léger. Et puis, ben voilà, ça a tout de suite matché, je crois. Donc, je vais vous laisser entre leurs mains expertes. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et puis voilà, nous, on est par là. Et on sera ravis de discuter avec vous. Voilà. Eh bien, merci, merci Thierry, merci Aurélie, et merci à voilà à la commune de Plessé, ses élus, ses habitants pour leur accueil chaleureux. Voilà, nous aussi ça nous fait en tout cas très plaisir de travailler sur ce projet. Bienvenue aussi aux personnes qui nous rejoignent à distance, voilà qui ont pu être là ce week-end. On pensera à vous. Et donc ben on va commencer ce week-end par une présentation du projet, du contexte, de l'historique, du cadre qui est posé du projet, de l'appel à candidature.
Alors d'abord, peut-être quelques mini points logistiques. Comme on est nombreuses et nombreux, pour la gestion des questions, ce qu'on va vous demander, c'est pour les personnes qui sont sur place, de bien vouloir noter vos questions sur des papiers. Et si vous n'avez pas de papier, on va venir vous en distribuer, vous pourrez lever la main, sur des papiers volants que ensuite vous pourrez donner à la pause à notre équipe afin qu'on traite un petit peu les questions. Qu'on soit sûr qu'on n'en oublie aucune. On ne pourra pas répondre à toutes les questions ce matin, mais toutes les questions qui ne seront pas répondues le seront plus tard dans un second temps sur la page de l'appel à projet. Et on vous enverra un compte rendu exhaustif pour les personnes qui ont laissé leur mail avec toutes ces réponses aux questions aussi. Donc, notez bien les différentes questions au moment où elles vous viennent sur des feuilles que vous mettrez à la fin de la présentation dans une des boîtes qui vous seront proposées. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent lever la main si vous n'avez pas de feuilles ou de stylo? Ouais. Super. Est-ce que Thibaut, tu veux bien? Ouais. Génial. Pour les personnes qui sont à distance, vous n'aurez pas de. Enfin, vous pouvez toujours noter vos questions sur les feuilles, mais je vous demande de bien vouloir les mettre dans le chat. Et notre équipe s'occupera de les relever à la fin de la présentation pour les écrire, pour qu'on puisse y répondre aussi. Donc là, on va partir sur probablement autour de 3 quarts d'heure de présentation, un peu moins peut-être si je suis plus rapide, sans questions donc, et on prendra 1 heure après la pause de questions-réponses pour voilà, être sûr qu'on puisse vraiment prendre le temps de répondre à toutes les questions que vous vous posez peut-être. Donc je commence sans plus attendre, je me présente, je m'appelle Xavier, donc j'accompagne notamment la collectivité de Plessé pour le montage d'un hameau léger et d'autres communes ailleurs en Bretagne. Donc je présente rapidement l'association hameau léger pour qu'on soit un peu qu'on parte tous du même point. Donc notre constat au départ, c'est qu'il y a un gros besoin dans les territoires ruraux d'un logement qui soit écologique et accessible financièrement. Il y a beaucoup de passoires thermiques, beaucoup de communes où il est très difficile de trouver un logement. Je crois qu'à Plessé, c'est particulièrement le cas. Et donc, il y a ce besoin. Et en parallèle, il y a beaucoup de personnes dont vous faites probablement partie qui ont envie de rejoindre des projets d'habitat participatif, qui ont envie que ce soit des projets accessibles financièrement, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'habitat d'emprunter beaucoup. participatif. Et qui ont envie de contribuer à la vitalité des territoires. Voilà, on voit beaucoup de personnes qui ont envie de s'installer dans des territoires ruraux ou qui vivent déjà et qui ont envie d'un logement écologique et accessible. Donc, Hameau Léger, c'est une association à but non lucratif d'intérêt général qui est née en 2017 pour apporter une réponse à ces besoins. Et notre mission, notre objectif, c'est vraiment d'offrir à chacun la possibilité d'être propriétaire de son habitat, dans un cadre de vie qui soit écologique et solidaire, avec du lien social, avec du lien entre voisins, et tout ça pour participer à des territoires plus vivants. Donc on compte aujourd'hui plus de 1 000 adhérents, voilà ce qui démontre qu'il y a une vraie envie, il y a beaucoup de personnes qui ambitionnent d'accéder à ce mode de vie. On a 7 salariés et une belle équipe de bénévoles. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont envie de rejoindre cette équipe cet après-midi, vous pourrez avoir un temps pour échanger là-dessus. On est basé en Bretagne depuis peu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des groupes d'habitants et des collectivités pour développer des éco-hameaux qu'on appelle hameaux légers. Je reviendrai un petit peu plus dessus. On accompagne d'autres collectivités que Plessé. On accompagne notamment la commune de Comana dans le Finistère, de Saint-Césaire-sur-Siagne dans les Alpes-Maritimes, le parc naturel régional des Causses du Quercy dans le Lot, la commune de Trémargat dans les Côtes d'Armor, la commune de Guipel en Ille-et-Vilaine et la commune de Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine également. Nelly? Non, est-ce qu'on peut passer? Ouais, super. Qu'est-ce qu'un hameau léger? On va revenir un petit peu sur les différents éléments qui sont constitutifs d'un hameau léger et de notre charte. Voilà, hameau léger, c'est la manière qu'on a choisie pour remplir notre objet. Donc, c'est un hameau qui est écologique, qui est participatif et inclusif, qui est accessible financièrement,
en lien avec le territoire qui l'accueille et où la propriété du sol et du bâti sont dissociées par un bail emphytéotique. Ça, c'est la partie un peu plus compliquée, mais je prendrai le temps de la détailler. Donc, bon, c'est un hameau, c'est un écoquartier, c'est un petit groupe de maisons implantées à proximité d'un bourg. Ensuite, c'est un projet qui est écologique. Donc, il est écologique comment? Le but, c'est que l'impact sur les sols et sur l'environnement soit minimisé. Il n'y a pas de béton, il n'y a pas d'imperméabilisation des sols. On a des constructions qui sont sobres, voilà, qui sont conçues avec un maximum de matériaux biosourcés, locaux, d'une manière bioclimatique pour maximiser l'énergie solaire et réduire la dépense énergétique et la consommation d'eau. Ce sont des projets qui sont participatifs. Donc l'habitat participatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe d'habitants est impliqué fortement dans la conception du lieu. Et aussi, c'est ce groupe d'habitants qui va gérer le lieu, qui va notamment gérer les arrivées, les départs, voilà, qui va vraiment être acteur de son projet d'habitat. Inclusif, voilà, ça veut dire qu'il y a aussi une envie que ce groupe-là puisse fonctionner en intégrant une diversité de personnes, qui est voilà, une envie de mixité. Accessible financièrement. Donc c'est vrai que nous, on est beaucoup dans l'association à avoir rêvé depuis longtemps de monter ce genre de projet, mais à s'être dit, en fait, c'est juste pas pour nous, parce qu'à chaque fois, il faut des centaines de milliers d'euros. On ne peut pas forcément faire des gros crédits à la banque, ou même les banques ne veulent pas forcément prêter pour des projets qui ne rentrent pas dans toutes les cases traditionnelles. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative pour que ce soit vraiment accessible? Donc l'accessibilité au sein d'un hameau léger, elle vient du fait qu'il n'y a pas besoin d'acheter le terrain. Le terrain va être loué, je reviendrai dessus plus tard. Les constructions peuvent souvent coûter beaucoup moins cher. Il y a la possibilité d'auto-construire totalement ou partiellement en fonction de ses compétences et avec de l'accompagnement aux besoins d'auto-construire son logement pour réduire beaucoup ses coûts. Voilà, il y a des maisons qui peuvent coûter 20 000 euros pour une maison de 40 mètres carrés en autoconstruction. Donc voilà, là, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible qu'une maison classique. Et puis, la réduction des coûts se fait aussi parce qu'on va mutualiser un certain nombre d'espaces et d'équipements entre voisins. Par exemple, une buanderie, une chambre d'amis, des espaces dont on n'a pas besoin au quotidien chez soi tout seul et qu'on va pouvoir partager entre voisins pour que ce soit aussi moins cher. Le côté positif, c'est qu'en plus d'être moins cher, ça va créer du lien social, on va se voir. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, en lien avec le territoire qui l'accueille, notre idée, c'est de se dire, très bien, on crée ce genre de hameau, mais comment ces hameaux-là, surtout, ne sont pas des bulles qui sont un peu coupées du reste? Notre envie, c'est que ces projets soient le mieux intégrés possible dans leur environnement social. Et c'est pour ça que nous, on accompagne des projets qui sont montés en partenariat, notamment avec la commune, et où on va travailler sur le lien avec le voisinage, le lien avec le territoire. Comment est-ce que l'intégration de ces futurs habitants se fait le mieux possible, de manière à ce que ce soit enrichissant pour tout le monde? Et le dernier élément, c'est donc ce qui fait aussi un petit peu notre spécificité, c'est le fait de dissocier la propriété du sol et la propriété du bâti. Donc dans un hameau léger, chacun est propriétaire de sa maison, mais le groupe n'est pas propriétaire et les individus ne sont pas propriétaires du terrain. Voilà, nous on voulait sortir de cette logique un peu de lotissement traditionnel où chacun possède son petit bout de terrain, se met des clôtures ou des haies et se voit pas. Et donc, le sol, dans un hameau léger, reste propriété là, de la commune qui loue le terrain par un bail emphytéotique de 99 ans au collectif d'habitants. Ce que ça permet, c'est ça donne de la sécurité. Les personnes savent qu'elles vont pouvoir rester chez elles aussi longtemps qu'elles le souhaitent, mais elles n'ont ni besoin d'acheter le terrain. C'est quand même un premier élément important. Et puis, en cas de départ, elles peuvent, si elles le souhaitent, partir avec leur maison ou la revendre. Voilà, donc ça,
C'est un petit peu la spécificité d'un projet de type âme léger. Pour nous, c'est intéressant aussi d'un point de vue philosophique. On sort d'une logique où on possède la terre, mais une logique où on a un droit d'usage sur cette terre encadré par un certain nombre de chartes. On ne peut pas faire n'importe quoi dessus, mais tant qu'on respecte ces chartes-là, ben on peut en jouir aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc, pour dissocier cette propriété du sol et cette propriété du bâti, on a fait le choix de l'habitat réversible. Un habitat réversible, c'est une construction à faible empreinte écologique qui peut être démontée, déplacée ou compostée. Donc, ce cadre légal, c'est un cadre assez récent. Il a été créé dans la loi Allure de 2015. C'est un type d'habitat qu'on appelle aussi parfois habitat léger. Et dans la loi, il s'appelle résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Voilà, ce qui est un peu long et lourd. Voilà, nous, en tout cas, je parlerai plus loin d'habitat réversible. Donc là, vous avez différents types d'habitat réversible que vous voyez peut-être pas très bien, mais vous pouvez les retrouver sur la page de l'appel à projet. Et je vais vous montrer quelques photos pour enrichir un petit peu vos imaginaires. Voilà, là, vous avez quelques images. On peut continuer. Quelques images encore d'habitat mobile, d'habitat transportable. Donc là, l'idée, c'est que puisse être transporté par voie routière sur une remorque. D'habitat démontable qui vont être désassemblés et réassemblés. Et puis d'habitat biodégradable qui vont être conçus à partir de matériaux naturels et pouvoir se décomposer. Alors souvent, on va pouvoir avoir une partie démontable, une charpente, des huisseries et une partie biodégradable. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer qu'en fait il existe une grande, grande, grande diversité d'habitats réversibles. Pour nous, c'est vraiment intéressant dans une logique de se dire qu'on ne va pas faire une empreinte irréversible sur le sol, puisqu'en fait les gens en moyenne, ils restent 10 ans propriétaires de leur résidence principale en France. On sait qu'il y a du mouvement, qu'il y a de l'évolution. Et l'idée, c'est de se dire, c'est pas des, on va, quand on fait ce type d'habitat, en général, on n'est pas nomade, on veut s'installer durablement et en même temps conserver la liberté de pouvoir partir avec son habitat si jamais la vie nous amène ailleurs pour des motifs professionnels, familiaux, personnels. Voilà, donc ça c'était une présentation du contexte général. Maintenant, le cadre du projet ici à Plessé. Donc il y a un terrain qui a été identifié par l'équipe municipale. Au Coudray, le Coudray c'est un des bourgs de Plessé. Voilà comme vous pourrez le voir, Plessé compte différents bourgs de taille importante. Le Coudray c'est un bourg qui fait environ 800 habitants, si je ne me trompe pas. Et la commune possède un terrain dans la zone qu'on appelle le Pont Rialan, voilà, qui est pas très très loin de l'école, qui est une jolie zone avec un petit étang en bas. Et il y a une partie de ce terrain qui est constructible. On a proposé à la commune, en partant de cette opportunité, un accompagnement en trois phases. D'abord, une étude de faisabilité qui servait à analyser un petit peu les conditions de faisabilité du projet. On s'est demandé est-ce que le projet était faisable et quel cadre il fallait poser pour que le projet réussisse et réponde aux différents enjeux, tant aux aspects relationnels, faire en sorte que ça puisse être bien accepté par le voisinage, que tout se passe bien, aux aspects financiers, aux aspects juridiques, architecturaux, etc. Et donc, cette étude de faisabilité, elle a commencé en mai et elle s'est terminée en novembre par une présentation au conseil municipal qui a validé le cadre du projet et c'est ce cadre qu'on va vous présenter. Donc, c'était important de commencer par cette étude de faisabilité pour vérifier que là, le projet qu'on vous présente, on sait qu'il est faisable. Et du coup, ça nous a permis de lancer l'appel à projet, qui est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Donc, c'est se dire, la commune a validé la faisabilité de ce projet et maintenant fait un appel à candidature pour trouver un groupe d'habitants qui va monter ce projet avec elle. Donc, ce sera la troisième partie, l'accompagnement au montage du projet avec le collectif. Donc là, je vous présente un petit peu le cadre global du projet. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura un accès. Vous visiterez le terrain pour celles et ceux qui sont là cet après-midi. Il y aura un accès par le nord, par le chemin du Pont Brochet. Il y aura un parking qui sera mutualisé
avec deux autres projets que la commune porte sur la zone qui n'est pas la zone constructible, mais qui est la zone de loisirs, un ruristade et des jardins partagés. Ce parking, il sera sur la partie nord-est, au nord-est du terrain. Il y aura des cheminements doux à l'intérieur qui permettront quand même potentiellement de manière exceptionnelle d'accéder à un habitat. Mais sinon, d'une manière générale, l'objectif, c'est que bah, cette zone-là, il n'y ait pas de circulation de véhicules de manière quotidienne. Et le programme d'aménagement, surtout, ça c'est important, sera défini en concertation avec les futurs habitants. Donc l'idée, c'était de ne pas poser un cadre qui soit trop rigide, trop strict, un cadre qui soit juste suffisamment sécurisant pour la commune et en même temps qui permette bah, de s'adapter à ce qui va être vivant, au projet que les habitants choisis vont aussi vouloir porter. Il y aura 12 logements pour respecter les densités prévues dans le schéma de cohérence territoriale. Et ces 12 emplacements qui vont être définis seront raccordés au réseau. Voilà, le terrain fait environ 7000 m². Ensuite, le cadre qui est posé sur le plan de l'architecture et du paysage. Donc, l'idée, parce que c'est vraiment cohérent avec le projet, c'est que de promouvoir une architecture sobre, qui va être bioclimatique, qui va donc être le mieux exposé possible, qui va être bas carbone, d'avoir des espaces partagés qui soient conçus avec les habitants. Donc voilà, là, par exemple, dans ces espaces, il pourrait y avoir une buanderie, des chambres d'amis, un bureau, une salle de jeu. Après, ça va être à voir en fonction du groupe d'habitants. Il va y avoir un atelier, un abri vélo. La conception paysagère va vraiment faire en sorte de favoriser l'intimité de chaque personne et de chaque emplacement en essayant de ne pas enfermer. Là, je vous ai mis quelques exemples de choses qui peuvent être faites au niveau paysager pour créer de l'intimité sans forcément mettre des gros murs. Et donc voilà, ça c'est aussi intéressant comment on fait des seuils qui ne soient pas des murs, qui marquent que oui, là on est dans une partie qui est privative pour quelqu'un, et en même temps, on n'a pas besoin de se murer chez soi. Les essences locales voilà, seront à privilégier. Et ce qui est beaucoup ressorti, puisque dans cette étude de faisabilité, on a fait deux ateliers citoyens où les habitants de la commune ont été invités à donner leur avis sur le projet. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'envie d'accueillir une diversité de formes architecturales tout en permettant une certaine harmonie. Voilà, de sortir d'une logique d'uniformité où tout le monde doit avoir la même chose pour créer du beau, comme on le voit parfois dans des lotissements aujourd'hui, mais de se dire la diversité peut aussi être source de beau et une volonté d'avoir un accompagnement architectural pour permettre cette harmonie générale. Donc le montage, ça va être lequel? La commune, elle va louer le terrain au collectif d'habitants qui va être constitué sous forme d'association, par l'intermédiaire d'un bail emphytéotique de 99 ans, je vais revenir dessus juste après. Et l'association d'habitants, du coup, elle va gérer le lieu, elle va gérer les arrivées, les départs, les chartes, les règlements, tout ce qui va encadrer la vie sur le lieu. Elle va être souveraine pour cela. Donc le bail emphytéotique, ça permet aux locataires d'avoir un droit d'usage du terrain qui est vraiment très proche du droit de propriété. La seule chose qu'un titulaire de bail emphytéotique, on appelle ça un emphytéote, la seule chose qu'un emphytéote ne peut pas faire, c'est vendre le terrain, évidemment. Mais sinon, il a toutes les prérogatives d'un propriétaire. Pour nous, c'est intéressant aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais parce que ça empêche toute spéculation immobilière possible sur le terrain. On a beaucoup de projets, notamment de projets d'accession sociale à la propriété avec des lotissements communaux où 10 ans plus tard, il y a des personnes qui vont revendre leur logement en faisant parfois une grosse plus-value. Là, l'idée, c'est de pas permettre une spéculation immobilière. Donc, c'est un droit qui est extrêmement sécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de modification unilatérale du bail. Si demain l'équipe municipale change, elle ne peut pas revenir sur ce bail. Ça, c'est très important, parce que ça permet aux personnes d'avoir la sécurité de leur logement et donc de s'investir dans le projet, pas comme des locataires,
mais comme des propriétaires, c'est-à-dire des personnes qui se disent bah, je vais vraiment investir durablement sur ce lieu, c'est le lieu où potentiellement je vais passer le reste de ma vie, qui sait. Et donc, bah, je vais en prendre soin comme si c'était chez moi. Voilà. Donc, sur le plan financier, la commune, et ça, c'est quelque chose voilà, qui a été proposé par la commune, dont nous, on est très content parce que ça va vraiment faciliter le montage du projet. La commune se propose de prendre en charge. Bon, l'accompagnement à Molégé, ça c'était dès le départ. Les études complémentaires qui vont être nécessaires, voilà, parfois il y a des études de sol, des choses comme ça. L'aménagement du terrain, donc du terrassement, la viabilisation, réseau, la voirie, et la construction des espaces communs. Donc il y a un budget qui est un budget estimatif, qui va être affiné, qui a été voté par le conseil municipal de 500 000 euros. Et donc, il va permettre de couvrir ces travaux. Et ce budget, il sera ajusté en fonction des besoins des habitants. Donc, il pourra être diminué, notamment si les habitants bah, participent aux travaux. Et puis, encore une fois, comme ce cahier des charges, le programme des aménagements et des espaces communs, il va être défini en concertation avec les habitants. Du coup, il y aura toute une phase d'aller-retour entre les habitants et la commune pour venir affiner ce chiffre. Je vous expliquerai après comment c'est financé pour que ce soit pas pour que ce soit neutre financièrement pour la commune. Les futurs habitants, eux, vont prendre en charge la construction et l'entretien de leur logement, le raccordement de leur logement au réseau, les frais de notaire liés à la signature du bail emphytéotique, et puis bah, toutes les dépenses qui vont être liées au fonctionnement du hameau léger une fois que le projet sera lancé. Voilà l'entretien, l'eau, l'électricité, les taxes, tout ce qui va être lié au fonctionnement du lieu. Donc le montant de la location, donc chaque foyer, enfin en fait c'est l'association des habitants qui va payer une location pour le bail emphytéotique, et chaque habitant va payer chaque mois à l'association une somme pour lui permettre de payer ce loyer. Ce montant-là, il va être calculé de manière à ce que l'opération soit neutre financièrement pour la commune. Voilà, ça veut dire que bah, plus les montants des travaux seront élevés, plus le loyer sera élevé, et inversement. Il y aura des subventions qui seront demandées pour rendre le projet le plus accessible possible. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur de la commune de rendre ce projet accessible. Donc je vous mets une fourchette haute. Ça veut dire un coût des travaux de 450 000 euros et un montant du loyer de 150 euros par mois par foyer. Pour, donc, je rappelle, l'accès au terrain aménagé et aux espaces communs. D'accord? Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de fourchette, enfin une fourchette haute, ça pourrait être plus bas, pour le loyer. Donc le calendrier prévisionnel, là on est dans l'appel à projet, je reviendrai sur les dates spécifiques, mais en gros en avril, un groupe sera choisi. On va pouvoir démarrer un accompagnement du collectif. L'idée c'est qu'en été et automne, on travaille sur le programme d'aménagement, avec à la fin de l'automne un dépôt des permis qui permettent, une fois que les permis du coup sont instruits, de démarrer les travaux d'aménagement et de construction des communs au printemps 2023 et permettre des premières installations dès l'été 2023. Je sais pas si quelqu'un de la Molégé, je veux bien un petit verre d'eau. Donc l'appel à candidature. Les critères pour candidater. Alors ce qui est vraiment important, on a fait le choix que pour candidater, il faut faire partie d'une équipe projet, il faut faire partie d'un groupe d'au moins 3 foyers. C'est important pour nous parce que c'est ce groupe qui va porter un projet. Et on ne voulait pas faire comme ça s'est déjà fait dans d'autres projets similaires et ça a été souvent compliqué, un patchwork d'individus qui sont choisis par la commune qui dit ah ben ça va bien fonctionner entre vous, parce que parfois c'est pas le cas. Donc ce groupe, il va devoir formuler son projet, ça veut dire que c'est des personnes qui vont devoir être sur la même longueur d'onde au départ, et donc c'est ce groupe-là qui va candidater et c'est sur la base de ce projet que le groupe sera choisi. Il y a 12 logements, je le rappelle. Donc 3 foyers,
il ne sera pas complet. Et ce n'est pas grave. C'est vraiment OK qu'un groupe soit loin d'être complet. Nous, on va accompagner ce groupe à se structurer et à accueillir de nouveaux habitants. Donc, c'est pareil aussi si vous n'avez pas réussi à constituer de groupe ou que votre groupe n'a pas été choisi, vous pourrez rejoindre le projet dans un second temps. Donc, le dossier qui vous est demandé, on a fait en sorte que ce soit un dossier qui soit relativement simple, qui ne contienne pas 20 000 questions. En fait, donc, il y a trois parties. On vous demande de le structurer en trois parties. Une première partie où vous présentez le groupe. Donc, par exemple, bah voilà, l'histoire de la création du groupe, comment ce groupe s'est formé. Vous présentez les différents foyers qui le constituent. Voilà. L'âge où vous habitez, les activités économiques et associatives de chacun, peut-être actuelles ou projetées, des compétences ou des expériences sur des domaines en lien avec le projet. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse un peu plus savoir qui vous êtes dans cette première partie. Ensuite, une partie où vous allez plus détailler le projet que vous envisagez sur ce lieu et les motivations. Donc, le cadre du projet, bah, il est fixe, donc moi, je vous conseille de candidater que si vous êtes d'accord avec le cadre général du projet. En tout cas, on vérifiera que les projets rentrent bien là-dedans. Mais à l'intérieur de ce cadre, encore une fois, il existe beaucoup de manières, beaucoup de couleurs différentes pour des projets qui rentreraient là-dedans. Donc, parmi les choses que vous pouvez partager, voilà un petit peu quel type d'espace commun, comment vous allez fonctionner ensemble, la gouvernance, la communication, les modalités peut-être de choix des personnes qui rejoindront le projet. Enfin, voilà, autant d'informations que vous pouvez pour partager un petit peu bah, quelle va être vous, votre manière spécifique à vous de mettre en place ce projet. Et le dernier aspect, c'est les caractéristiques des habitats envisagés. Voilà, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir conçu votre habitat de A à Z à ce moment-là du tout. Mais c'est pour donner un petit peu un ordre d'idée de qu'est-ce que vous envisagez comme habitat, comme taille, comme forme, comme matériaux, comme budget, comme degré d'autoconstruction, comme temporalité, comme type de chauffage, voilà, qu'on puisse un petit peu comprendre ce que chacun des foyers envisage comme habitat. 10 pages maximum, vous pouvez faire moins, hein. Il n'y aura pas de... les élus avaient voulu préciser ça. L'orthographe et la syntaxe ne vont pas rentrer en compte. Donc voilà, sentez-vous libre d'avoir des dossiers qui ne sont pas du tout parfaits et ciselés sur ces plans-là. Et par ailleurs, voilà, y a des membres du comité qui avaient émis la volonté d'accompagner des personnes pour relire des dossiers si besoin. Donc voilà, si vous souhaitez avoir de la relecture, vous pourrez nous contacter par mail et puis on vous mettrait en lien avec une personne disponible pour faire ça dans la limite des disponibilités, bien sûr. Donc les critères d'évaluation qui ont été définis par le comité de pilotage du projet, c'est les suivants, il y a 6 critères. La mixité sociale et générationnelle, la qualité et la diversité des projets d'habitat, la maturité du projet, le lien au territoire, la pertinence des activités économiques et associatives envisagées et un critère coup de cœur, voilà, qui est un critère un peu plus subjectif parce qu'il y a forcément de la subjectivité, de toute façon elle est partout, mais pour voilà, laisser aussi de la place à ces choses-là qui ne rentrent pas forcément tout le temps dans des cases, mais qui pourront avoir leur place quand même. Donc, le calendrier de l'appel à projet, la communication a été lancée le 17 décembre. Voilà, donc il y a un mois et demi. Pour information, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont émis la volonté de candidater. À peu près, on est à 650 à ce jour. Après, il y aura beaucoup de tri. Il y a plein de personnes, voilà, qui, dans ce genre de projet, sont juste curieuses et qui n'iront pas au bout. Mais. Ça montre en tout cas l'enthousiasme et l'envie générée par ce type de projet. Le 14 mars, ça va être la clôture des candidatures, donc c'est assez court. Le 21 mars, il y aura l'annonce des présélectionnés.
si vous pouvez candidater avant le 14 mars, si vous êtes prêt, ça nous arrangera. Et puis le 2 avril, gardez bien cette date en tête si vous voulez candidater, c'est très important. Le 2 avril, il y aura des entretiens des équipes retenues avec le jury de sélection qui sera composé de 6 élus qui auront une voix délibérative et de 6 autres personnes qui auront des voix consultatives. Donc le 2 avril, il faudra pouvoir être là. Si vous souhaitez candidater, notez cette date dans vos agendas et prévoyez de venir. Et avant fin avril, il y aura la communication des résultats. Voilà, et bien maintenant je vous propose de prendre une petite pause. Il va y avoir donc déposez bien vos questions dans les différentes boîtes. Alors, est-ce que Maud, on peut t'identifier? Voilà, les boîtes, elles sont au fond. Du coup, vous pouvez aller déposer vos questions dans les boîtes qui sont de la thématique. Voilà, vous choisissez la bonne boîte, vous déposez votre question. Et vous pouvez prendre un petit café. On se retrouve. Je vais regarder l'heure. On se retrouve dans 20 minutes à 11h pour une séance de questions-réponses. Voilà. À tout de suite. Ah, et attendez, il y a une petite. Salut tout le monde. Il y en a certains qui savent déjà, mais il y a une PLC, une participation libre et consciente, qui sert à valoriser. Qui sert à valoriser quoi? qui sert à couvrir les frais liés à l'événement. Voilà, on n'a pas voulu faire payer ces frais-là un prix fixe pour permettre à tout le monde de participer. Donc, il y a environ 2 800 euros de frais qui ont été liés à l'événement, qui sont particulièrement la location de la salle, 2 000 euros. Et aussi, voilà, d'autres petits frais annexes, notamment un bus pour gérer les visites cet après-midi sans que ça soit n'importe quoi au niveau du parking et des véhicules. Et donc, on vous demande de bien vouloir participer pour couvrir ces frais. Voilà, le montant donc est libre. Pour information, on doit être une petite centaine. Voilà, donc ça ferait une moyenne de 28 euros si tout le monde, payait de manière équitable. Mais voilà, le principe de cette participation, c'est que chacun puisse donner le montant qui lui semble juste par rapport à sa situation et ses envies. Donc CEVAC, il se mettra là. En fait, il y a déjà des personnes qui l'ont faite. Mais on a oublié de les noter sur l'ordinateur. Donc, que vous l'ayez fait ou pas, venez me voir. Je vais me mettre votre micro. Je vous coche, soit pour la régler. OK? Et ça peut être fait par tout moyen. Internet aussi, j'ai dit. Allez. C'est bon. Ok. Le micro est pas top. Mais... Alors, on espère que vous nous entendez. Il y a une petite pause du coup, pour toutes les personnes qui sont en présentiel et pour les 26 personnes qui nous suivent à distance et celles qui regarderont la vidéo en différé. On fait un petit temps là de questions-réponses. Alors moi, j'ai référencé toutes les questions que vous étiez posées dans le chat. Mais j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que Xavier a répondu à pas mal d'entre elles au fur et à mesure de sa présentation. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un petit point là-dessus? Je vous lis donc la possibilité d'être éligible en étant tout seul. Xavier, il l'a évoqué, il faut que ce soit un collectif formé de minimum trois foyers. Mais il y a la possibilité, je vois que dans le chat, il y avait Geoffrey qui proposait de former un collectif, c'est toujours possible. Hein. Il y a la possibilité que le collectif se crée et se monte ensemble. Enfin, l'enjeu, c'est vraiment de définir ensemble un projet commun et pas que ce soit juste des individus qui se regroupent pour cocher les conditions. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Il y aura un second temps, hein, je reclarifie pour la présentation, mais il y a un second temps de questions-réponses qui va être animé du coup par Xavier où ils sont en train de récupérer toutes les questions qui sont posées dans la salle et on prendra un temps pour ça. Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires qui arrivent dans le chat. Bonjour Anso. Alors,
La partie du terrain est destinée à l'ensemble des habitats. Alors, pour les questions un peu plus précises qui pourraient intéresser d'autres personnes que juste nous en distanciel, moi, je vais les noter. Du coup, je vais passer le relais à Damien si tu veux faire la conversation. Okay. Et je vais les faire remonter à la salle. Comme ça, même en distanciel, vos questions, elles peuvent remonter. Je vais me dépêcher d'écrire. Ok. Quel est le montant? Quel moment pour nous positionner seul? Du coup, ça, j'imagine qu'il faut former des collectifs. Du coup, l'idée, effectivement, c'est pas de monter un dossier tout seul, mais de rejoindre des collectifs et de créer. Ça, il y avait effectivement des personnes qui proposaient, par exemple Geoffrey qui disait un peu plus haut, là, il y a 8 minutes, on peut essayer de constituer un groupe. Du coup, n'hésitez pas à utiliser cet espace-là, Facebook, pour former des groupes, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à fermer la porte. Et pour la partie rejoindre le projet seul, c'est ce qu'il expliquait Xavier tout à l'heure. Il y a aussi, dans un premier temps, il faut un groupe de trois. Thibaut qui est là en mode pourquoi vous parlez, pourquoi vous parlez. On continue le live, Thibaut, le live continue. Et du coup, au début, on demande vraiment d'avoir un groupe de trois foyers. Et ensuite, vous pouvez toujours candidater et ce collectif qui sera formé pourra, en fait, entre guillemets, recruter, en tout cas discuter avec d'autres personnes et des projets individuels pour rejoindre tout ça. Bon, moi, j'arrête de parler. Vas-y, la partie. Est-elle destinée à l'ensemble des habitants ou seulement aux espaces communs? Question 2. La construction des espaces communs est-elle prise en charge par la commune? Sera-t-elle réversible? La commune sera propriétaire de ces espaces et non l'association d'habitants? Bonne question. Effectivement, on ne va pas répondre à ça, mais on va noter la question, Julia. Et du coup, il y a Catherine qui va commencer à former un collectif avec Geoffrey. C'est parfait. Les grandes choses se passent. Actuellement seul en tiny. Je veux bien rejoindre un groupe. Du coup, il y a Yannick aussi qui est partant. Anso, merci, c'était ma question. Amoureuse, bonjour tout le monde. Moi, je suis mariée, mère de 2 enfants. Est-ce que vous pouvez fermer la porte derrière vous? Merci. C'était trop bien. On est sur... Alors, nous sommes victimes d'un petit peu de spam, peut-être. Okay, ouais. Et du coup, hop, on est désolé, mais je vais récupérer les questions. Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires qui arrivent. Tac. C'est ça aussi, c'est dans la pause qu'on est inspiré après la présentation pour poser des questions. Je vais essayer de me dépêcher pour je que... Je vais te laisser, moi je vais regarder ailleurs les questions. Ok. Et puis Clément, n'hésite pas aussi. Du coup, quels sont les moments? Ça, c'était la question 2. Bonjour, tac, tac. Ça défile, ça défile. Ça, je vois rien. Tu peux nous contacter par Messenger, tac. Si nous n'avons pas réuni 3 ménages, faut-il attendre pour candidater du coup? Oui, c'est sûr que candidater tout seul, ça va rien amener. Du coup, il faut vraiment constituer... constituer au moins des embryons de collectif. Et puis, comme disait Xavier, il n'y a pas nécessairement le besoin d'avoir 12 foyers directement dans votre collectif. Le collectif peut être plus petit et après, au fur et à mesure, accueillir du monde. Quel moment te conviendrait? C'est bien, les gens ils commencent à s'échanger des messages. C'est parfait, c'est le but. Voilà, après, si vous avez toutes questions... juste question technique aussi, est-ce que le son est correct maintenant et est-ce qu'il était aussi durant la retransmission? Voilà, juste pour avoir des petits retours, savoir si à la technique c'était correct. Ok. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles questions ou je file envoyer ça par là-bas? Ok, merci pour la question. Moment, le son est bon. Ok. C'est une belle nouvelle. Toujours ça de prix. Tac, très bien. Ok. Le son ok, son impeccable. Ok. Et ben,
Après, si jamais il n'y a pas d'autres questions ou réactions, on peut aussi vous laisser tranquillement digérer tout ce qui a été présenté par Xavier. Ou on peut leur envoyer la vidéo d'appel aux dons d'Amolégé. Oui, on voulait faire. Non, mais alors j'ai ouvert le lien juste parce qu'on expliquait la PLC pour les personnes qui sont sur place. Et si jamais vous, ça vous intéresse de faire un don à l'asso, j'ai ouvert le petit onglet ici. Ah, alors c'est le temps que je galope là-bas. Les liens sont chargés. Je vous dis à tout de suite. Alors, on vous. Alors, ça c'est pomme. Tac. Du coup, on vous envoie le lien. Tac. Alors. Voilà, du coup, il y a toute la page. Ça ouvre droit aux réductions fiscales. Ah, c'est dommage, j'avais pas mis la vidéo de nos nouveaux projets. Projet classé. Et sinon, également, je vais vous mettre. Faut pas hésiter, en fait, il y a plein d'infos qui sont disponibles. Au niveau de l'appel à projet de PC, il y a sur le site aussi de Amolégé, il y a une page dédiée à ça. Du coup, vous aurez peut-être des réponses dedans aussi. N'hésitez pas s'il y a des choses à voir. Voilà, et puis s'il n'y a pas d'autres commentaires, comme disait Nelly, on va vous laisser tranquillement digérer. Et puis je pense qu'on va reprendre d'ici 10 minutes à peu près. Voilà, je mets en pause.
faire des trucs de programme. Ok, Facebook, on va reprendre dans 2 minutes. 30 secondes, ah oui. Même, je suis optimiste. En fait, il y a une brebis cachée quelque part. C'est Damien. C'est Greg. Non, c'est vrai. Est-ce que je peux vous demander, c'est un moment, c'est une heure ou deux, vous pouvez me dire, as-tu pensé à nourrir Francis ? Ok. Ok, dans une heure ? Ouais. Ok, merci. Ça marche. C'est un petit poisson rouge. C'est un petit chat qui se balade sur la télé. Ah oui, ah, c'est un chat, c'est pas une télé. Un peu enrhumé. Ok, très bien, nous allons commencer du coup la phase de questions-réponses. Et Maud va lire les questions. Une première question facile. Est-ce que c'est possible de récupérer le PowerPoint ? Oui, donc je ne l'ai pas précisé, mais à la fin de l'événement, on enverra à toutes les personnes qui se sont inscrites sur le formulaire ou qui ont donné leur email à l'entrée. Donc si vous êtes là, en tout cas, normalement, vous recevrez à la fin la présentation, mais aussi le compte-rendu de toutes les questions-réponses. Voilà. Y a-t-il un temps prévu ce week-end pour se rencontrer et former un collectif candidat, un temps plus formel que les moments d'échange informels ? Oui, donc on va essayer de trouver l'équilibre ce week-end entre le formel et l'informel. Donc il va y avoir un petit temps déjà de speed dating, mais voilà, sans pression, vous verrez comment ça sera organisé. Juste pour créer un petit peu du lien autour de quelques questions. Tout à l'heure, à 18h30, et puis demain, il y aura des petits temps par groupe pour vous positionner sur certains enjeux clés, voilà, pour exprimer un peu votre vision d'un tel projet. Et donc là, voilà, c'est pour les personnes qui seront là demain. Et si vous n'avez pas le temps, si vous ne pouvez pas être là demain ou que vous avez envie de prolonger ces échanges, surtout, on vous invite à demander des contacts de personnes. Enfin voilà, quand vous sentez qu'il y a quelqu'un avec qui peut-être vous avez un feeling, n'hésitez pas à proposer d'autres rencontres, à prendre les contacts des uns et des autres. Dans cette salle, il y a la salle des blasons. Donc normalement, vous avez pu faire un blason, une petite affiche où vous partagez un petit peu qui vous êtes, quel est votre projet. Et vos coordonnées, si vous voulez pouvoir être contacté. Et donc, ça peut être un bon moyen aussi, si vous avez un petit temps de pause, que vous êtes peut-être un peu timide pour aller voir les gens, vous pouvez regarder les blasons et dire « Cette personne, je me sens vraiment très en lien avec ce projet, ça me parle beaucoup. » Et bien, vous pouvez noter ses coordonnées et lui proposer un échange plus tard. La dernière chose qui est possible de faire, on a créé un forum. On renverra le lien à la suite de l'événement. Et donc, n'hésitez pas à proposer d'autres temps de rencontre. Voilà, nous, on est limité par nos disponibilités, mais n'hésitez pas à proposer d'autres temps de rencontre en visio ou en présentiel pour poursuivre un petit peu ces échanges. Ce qui est clair, c'est que voilà, on a bien conscience que la temporalité pour créer un groupe, elle peut être un peu courte. Ça, c'est clair. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui n'auront pas le temps de constituer un groupe à ce moment-là. Vous pourrez toujours rejoindre des groupes constitués, voilà, parce que moi je mets à peu près ma main à couper que le groupe qui sera constitué n'aura pas 12 foyers, et donc il y aura tout le temps derrière que ce groupe s'étoffe. Donc c'est voilà, ces coordonnées, elles seront, si vous le souhaitez, elles pourront être transmises au groupe qui sera choisi. Et puis l'autre élément sur lequel c'est important de revenir, c'est qu'on espère qu'il va y avoir d'autres projets similaires dans le coin. Voilà, il y a d'autres communes qui regardent ça avec attention. Il y en a un certain nombre d'autres qui sont déjà en cours aussi ailleurs en Bretagne ou ailleurs en France. Donc c'est autant d'autres opportunités.
Et la toute dernière chose, pardon, que je voulais dire là-dessus, c'est que on va faire proche près d'ici une formation, un événement de 4 jours qui sera début avril, du 7 au 10. C'est ça. Du 7 au 10 avril pour se rencontrer et apprendre un petit peu comment monter un projet, comment démarrer un groupe, qu'est-ce qui est important à cette étape-là. Voilà, ça arrive un peu en décalé par rapport au projet de Plessé, mais ça, si vous savez que c'est un type de projet que vous avez envie de monter et que vous n'avez pas eu le temps de le faire pour ce projet-là, je vous invite vraiment à vous joindre, à vous inscrire à cet événement-là. Ce sera un temps riche et avec plus de temps et que des personnes qui sont dans cette optique de vouloir créer un groupe. Et c'est où exactement? À Saffré. Juste une petite précision au niveau des personnes qui nous suivent sur Facebook. Comme Yannick l'a dit, l'URL c'est communauté.hameau-léger.org. Vraiment, n'hésitez pas à aller dessus. C'était le troisième point que tu abordais, Xavier, oui, le forum. Pour se mettre en lien en distanciel. Voilà, merci. Merci Damien. Je passe aux questions sur les dossiers de candidature. Est-ce que les critères étaient listés dans un ordre de priorité? Non, les critères n'étaient pas listés dans un ordre de priorité. On a choisi de ne pas donner le détail de la pondération. Ces critères, ils vont être pondérés. Ils seront pas tous comptabilisés de la même manière. Mais voilà, le comité de pilotage a choisi de ne pas dévoiler exactement quels critères aura quelle pondération. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser les attentes au sujet du critère pertinence des activités économiques et associatives envisagées? À quoi ça fait référence? Est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est de monter une activité locale, etc. Alors, que dire? C'est pas forcément le métier. Déjà, on a utilisé le mot activité. L'activité, c'est plus large. On a mis économique, associative, pour que voilà, ça englobe une grande variété de choses. Ce qui est important de dire, je crois, c'est que en fait, l'intérêt, ça va être de pouvoir apprécier comment un projet global, un collectif, va pouvoir avoir la volonté de contribuer au territoire, mais ça va pas être de dire « Ah, il faut que chacun fasse tel métier, etc. » Voilà, je crois pouvoir parler pour le comité de pilotage en disant que il n'y a pas une envie de dire chacun doit faire un métier utile, non, et de dire on va choisir là-dessus. C'est plutôt de pouvoir sentir que les personnes ont l'élan de contribuer. Je ne sais pas si vous avez envie de compléter ou pas. Surtout que la question d'après, c'est quelle est la motivation de la commune pour accueillir ce projet. Donc, je pense que ça peut être en lien. Ouais. En fait. On est motivé pour tous les projets. L'idée, c'est de voir comment les porteurs de projets se projettent dans la vie d'une commune et qu'ils aient bien conscience qu'ils arrivent déjà dans un environnement social, économique, existant, actif, vivant. On a 82 assos à Plessé, donc il y a déjà une vie qui arrive. Et pour, du coup, ça va me permettre d'utiliser un mot, c'est le mot ghetto. L'idée, c'est que cet écoquartier ne se transforme pas en ghetto, mais que les porteurs de projets, dès l'origine, eh ben, ils aient un œil ouvert sur ce qui se passe autour. Du coup, on va pas... tout à l'heure, Xavier parlait de pondération, je ne vais pas vous dévoiler la pondération de ce point-là. Moi, je vous invite quand même à bien regarder ce qui se fait déjà à PC, comment ça tourne autour. Et puis, je veux juste aborder un truc, c'est que là, on est quand même dans une posture particulière, éthiquement. C'est super bizarre de se dire qu'on est en capacité de choisir les futurs habitants de la commune. Pardon ? Ah oui, c'est vachement plus fort. Éthiquement, c'est super bizarre de se dire qu'on est en capacité de choisir les futurs habitants de la commune. Donc moi, ça me pose question, ça pose question à plein de gens. Mais voilà, l'enjeu de ce point-là, c'est vraiment de vous rendre attentif au fait que vous arrivez dans un lieu qui vit déjà. Voilà, c'est tout. Et de se dire, il y a déjà plein de choses, comment est-ce que moi je m'inscris dans ce plein de choses-là?
et sur les motivations plus profondes. Est-ce que demain, cet après-midi, dans la présentation de la commune, ce sera partagé? Qu'est-ce qui vous motive particulièrement à faire ce type de projet ici? Ben nous, on veut tout changer, donc on veut faire la révolution, quoi. Il y a encore une question pour le conseil municipal. Est-ce qu'il y a l'unanimité du conseil pour le projet? Du coup, il y a eu l'unanimité du conseil pour le projet. Il n'y a pas eu l'unanimité par rapport au volet financement, prise en charge complète. Voilà. Mais c'était une écrasante majorité. Après, vous savez comment ça fonctionne, un conseil municipal, avec les histoires de proportionnel et tout. Quand on est majoritaire, on est majoritaire, quoi. Merci. Et juste, je voudrais rajouter un petit élément sur la question de l'appel à projet et de la partie éthique. C'est vrai que c'est un élément qui nous a posé pas mal de questions. On s'est demandé, mais comment on fait quelque chose, on accompagne quelque chose qui est juste, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui veulent candidater. On avait envie d'amener de la transparence là-dedans, parce que c'est vrai que parfois, il y a des petites choses qui se font un peu sur des coins de table, et nous, ça ne nous semblait pas nourrir ses besoins. Et donc voilà, il y a un équilibre à trouver entre avoir un processus qui soit juste, qui soit transparent, où toutes les personnes qui veulent candidater ont la possibilité de le faire, et en même temps quelque chose où on n'est pas on passe pas dans une logique de robot à dire est-ce que tu coches une case, pas coches une case. Donc voilà, ça va être cet équilibre qui est difficile à trouver, mais j'ai confiance qu'avec avec l'équipe d'Eluquia, ça va se faire d'une manière qui soit et juste et humaine. Il y a une petite question planning. Est-ce que où est-ce que va pouvoir habiter des candidats en attendant que le terrain soit disponible? Par exemple, quelqu'un qui est en tiny house. Est-ce qu'il faut être proche pour pouvoir être accompagné durant la phase d'accompagnement après avoir été lauréat? Alors ça, c'est une phase dont on n'a pas du tout discuté aujourd'hui avec la commune. Donc je vais juste répondre que c'est un élément auquel on va porter attention. Voilà, je pense que il y a des opportunités qui pourront être trouvées. En tout cas, j'ai confiance que ce sera possible. Et ce sera à étudier au cas par cas. Je pense que ça fait partie des sujets qui vont ressortir un peu dans les dossiers. C'est-à-dire qu'il y a des groupes où il y a déjà des gens qui auront leurs habitats et d'autres où non. Et donc, en fonction, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir s'adapter là-dessus. Voilà, moi, j'ai confiance qu'on pourra trouver une solution. Et c'est sûr que ça va être plus facile d'avoir des groupes de personnes qui sont relativement proches géographiquement ou peuvent s'installer à proximité. S'il y a des groupes où les gens habitent un à Strasbourg, l'autre à Marseille et le troisième à Pau. C'est aussi possible, parce qu'il y a la visio. Voilà, c'est aussi possible avec la visio, mais il va falloir prévoir des déplacements sur place parce que tout ne sera pas en visio. Voilà. Bon, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est pour mettre du rythme. Après, j'ai des questions plus architecture, aménagement et notamment sur les réseaux. Il y a plusieurs questions qui sont sur est-ce que c'est obligatoire d'être accordé ou ce sera possible d'être autonome? Et qu'est-ce qui est pensé pour l'autonomie? Est-ce que le SPANC sera en accord avec des systèmes autonomes? Du coup, on est dans un zonage constructible. Et donc, il y a des règles à respecter dans le zonage constructible. On va encourager tout ce qui est réserve d'eau, récupération des eaux de pluie, double circuit, quoi. Enfin, voilà, pour la machine à laver, on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau potable. Enfin, tout ça, c'est possible. Mais les habitats seront raccordés au réseau, électricité, eau et tout à l'égout. Et vous allez dire, ah, tout à l'égout, hein. Mais sauf que la station d'épuration du Coudray, c'est du drainis, enfin il y a plein de petits endroits sur la commune et il y a trois stations d'épuration qui sont en filtre planté. Voilà. Et celle du Coudray, donc qui dessert l'écolieu là, c'est une station en filtre planté roseau. Voilà. Et ce sera possible de produire de l'électricité par exemple? Carrément, on encourage tout. Si vous voulez être autonome, vous pourrez, mais l'habitat sera raccordé au réseau. Et moi, je veux rajouter que c'est quelque chose qui, pour nous, a énormément de sens aussi. Là où les réseaux sont disponibles, en fait, par exemple, pour la question de l'électricité, de pouvoir venir injecter
aussi la production d'électricité, les surplus éventuels dans le réseau et limiter les consommations de batteries et d'équipements comme ça qui sont utiles là où c'est pas possible de se raccorder ou alors là où ça coûterait trop cher ou ça serait trop compliqué. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Ça permettra de rendre les projets plus accessibles financièrement aussi. Du coup, sur cette question des compteurs, il y avait des questions qui étaient, est-ce que les abonnements seront communs ou individuels? Est-ce que ce sera un seul compteur? Comment ce sera géré? Alors ça fait partie de tous les sujets qui vont être laissés à la décision du groupe d'habitants. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des sujets qui rentrent dans le cadre de faisabilité. Ce qui est sûr, c'est que les consommations devront être payées. Après, quel mode de répartition? Est-ce qu'il y a des sous-compteurs, pas sous-compteurs? Tout est possible. C'est vraiment à chaque groupe de faire ses choix. Et nous, on accompagnera pour faire en sorte que ces questions se posent et soient posées, et puis que chaque groupe trouve les réponses qui lui semblent justes. C'est une question un peu du même ordre, je pense, mais est-ce que dans le droit d'usage d'une parcelle privée, est-il possible de mettre des fleurs en terre et planter des arbres? J'ai lu les mots exacts parce que je pense que tu peux réagir sur tous les mots. Oui. Alors, tous les mots. Droit d'usage, parcelle privée et planter des fleurs. Oui, donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin d'avoir des espaces privatifs, des espaces intimes, extérieurs. Voilà, ça c'est un besoin qui en général est partagé par les gens. Maintenant, nous on va aussi accompagner chaque groupe d'habitants à définir les règles qui lui semblent justes. Voilà, moi je fais partie d'un projet similaire et on a dit par exemple que si on voulait couper un arbre qui fasse plus d'un diamètre de nos deux mains, eh ben on doit demander l'accord du collectif pour le faire. Bon, si on veut planter quelque chose, nous on n'a pas besoin. Mais en fait, chaque groupe va se doter de ses propres règles et il y aura un règlement intérieur qui sera défini. Là aussi, il y a des rapports aux règles qui sont très différents et pour celles et ceux qui seront là demain, vous serez invités à vous exprimer sur ce sujet. Ce sera un des sujets qu'on vous proposera d'aborder. Voilà, il y a des gens qui vont vouloir avoir quelque chose qui soit très cadré où tout est défini, tac, 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 et on sait exactement si on est dedans, pas dedans. Et d'autres gens qui, au contraire, vont vouloir avoir quelque chose qui est beaucoup plus flexible, peut-être un petit peu moins détaillé. Et donc ça, bah voilà, c'est important de pouvoir en parler quand vous créez un groupe avec d'autres gens pour voir si vous êtes un peu aligné sur ça. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui est extrêmement carré, qui a besoin que tout soit prévu, planifié, et que vous, c'est pas du tout votre truc, bah, ça va être étouffant. Et pour l'autre personne, ça va être insécurisant. Donc voilà, ça dépendra donc. Question à l'architecture, l'habitat réversible, est-ce que ça veut dire qu'il y a une surface maximum? Alors, il n'y a pas de surface maximum qui a été définie aujourd'hui. Il va quand même falloir que les habitats puissent être démontés ou déplacés relativement facilement. C'est ce qui est défini dans la loi. Donc, voilà, le facilement rapidement, le facilement démontable, il est à l'appréciation de chacun. Ce qui est sûr, c'est que en soi, on connaît des gens qui vivent, par exemple, dans des yourtes de 80 mètres carrés. C'est facilement démontable. Maintenant, c'est là aussi où c'est important de pouvoir parler de ces sujets en groupe. C'est d'avoir la conscience que, bah, forcément, plus quelqu'un va faire un gros habitat, alors il y aura ça va être discuté dans le projet d'aménagement. Mais si vous voulez qu'il y ait énormément d'espace public partagé, enfin d'espace partagé extérieur dans votre projet, vous allez peut-être avoir envie de dire en tant que groupe, nous on fait une emprise au sol maximale de 50 mètres carrés parce que pour nous ça a plus de sens, que ça laisse plus de place à la végétation, etc. Donc ça fait aussi partie des sujets sur lesquels vous allez pouvoir définir vos propres règles en tant que groupe. Et est-ce qu'il y aura besoin de permis de construire pour chaque habitat réversible? Alors non, donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un permis d'aménager global qui va définir des emplacements. Et donc au sein de ces emplacements, les habitats pourront être installés et évoluer, toujours en restant dans le cadre du PLU. Donc ça ne dispense pas de respecter le règlement, mais il n'y a pas de nouvelles
formalités administratives à déposer. Voilà. Et donc, nous, on accompagnera au dépôt et à l'instruction du permis d'aménager initial pour définir ses emplacements et poser un cadre général pour l'aménagement du projet. Et ensuite, il y aura cette flexibilité-là. Est-ce que les espaces communs qui seront construits et pris en charge du coup par la commune, ils seront réversibles aussi? Alors, ça dépend. C'est pas un sujet dont on a parlé aujourd'hui spécifiquement avec la commune. Là, il y a la réversibilité au sens facilement et rapidement démontable. Là, on est dans le cadre légal des habitats démontables, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Pour l'espace commun, on ne sera pas dans ce cadre-là, puisque ce n'est pas une résidence qui constitue l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Donc, en soi, il n'y aura pas besoin que l'espace commun bouge facilement. Et de toute façon, à partir du moment où il sera financé par la commune, cet espace commun n'aura pas vocation à bouger. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'impératif écologique et la volonté de construire, de promouvoir une architecture qui est sobre, va entrer en compte. Donc voilà, il n'y aura pas des mètres cubes de béton déversés dedans non plus. Voilà, là, sur la question de techniquement, est-ce qu'il y aura des petits plots béton ou pas, ce sera des arbitrages, à mon avis, qui seront faits plus tard avec l'accompagnement de la maîtrise d'œuvre qui travaillera sur le projet. Du coup, il y avait une confirmation, c'est la commune qui sera propriétaire des espaces communs et pas l'association d'habitants. Oui, la commune sera propriétaire du terrain avec ce qui est non démontable. Et donc, les espaces communs feront partie de ces équipements non démontables qui seront loués dans le même bail emphytéotique. Et leur construction, elle est financée par la mairie uniquement, ou est-ce que c'est possible que les habitants ils y participent, par exemple en fabriquant, en donnant du temps? Oui, c'est complètement possible que les habitants participent et donnent du temps. Il faudrait qu'il y ait un cadre qui soit bien défini avec la mairie, notamment par rapport à des questions d'assurance, de responsabilité et tout ça. Et donc voilà, ça fait vraiment partie des sujets qui seront définis avec le collectif, la mairie, le maître d'œuvre qui supervisera la construction, et puis nous-mêmes qui allons accompagner la maîtrise d'ouvrage. Ce qui est sûr, c'est que le collectif d'habitants aura intérêt à réduire les coûts pour réduire le loyer. Et en même temps, il faudra trouver cet équilibre avec les besoins de la commune, qui seront aussi probablement d'avoir quelque chose qui est sécurisé et garanti. Et donc, il est probable que le côté participatif soit plus sur des éléments de seconde œuvre, de finition, de choses comme ça. Ensuite, j'ai des questions sur l'amortissement de ce financement. Est-ce qu'il y aura une logique d'évolution du loyer ou bien alors il prendra toujours qu'est-ce qu'il va prendre en compte? Et la question d'après, c'est voilà, à quoi ça va servir une fois que les investissements sont remboursés, amortis? À quoi servent les loyers? Est-ce que les loyers vont diminuer ou est-ce qu'ils vont servir à financer d'autres choses? C'est une bonne question. On n'a pas traité aujourd'hui ce sujet. Je pense que ça fait partie des sujets qu'on peut amener plus tard avec le conseil municipal. Ce qui est sûr, c'est que... Ah, bah vas-y. Ouais, on a déjà un petit embryon de réponse. C'est que du coup, cet argent qui sera dégagé à terme, donc on a prévu un amortissement sur 25 ans. Donc, dans 25 ans, effectivement, les loyers, eh ben, ils vont servir à d'autres projets d'intérêt général sur la commune. Ça va rentrer dans le budget de la commune. Voilà. Après, sur l'évolution, est-ce qu'on va augmenter le prix des loyers indexés sur nanani nanana ou baisser parce qu'on sera amorti? Ah oui, pardon. Je m'entends mieux en plus. Est-ce qu'on va indexer les loyers sur quelque chose? Est-ce qu'ils vont varier? Est-ce qu'ils ne vont pas varier? Ça, on n'a pas du tout réfléchi à ça encore. Ouais, et donc, en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que ce que je trouve qui a du sens, c'est dans tous les cas, il y a la garantie qu'il n'y a pas un privé qui va s'enrichir sur le projet. Voilà, j'ai envie de dire, dans le pire des cas, ça sert des projets qui vont, dans tous les cas, être utiles pour les habitants, puisqu'ils seront habitants de la commune de Plessé. Et bien justement, sur les questions de critères pour d'accessibilité financière, est-ce que finalement d'être déjà propriétaire d'un logement quelque part, ça pourrait être un frein et ne plus pouvoir accéder au projet?
Alors, on n'a pas demandé aux gens s'ils étaient propriétaires ou non, et on ne leur demande pas de fournir une fiche de revenus, etc. Et voilà, et les élus ont l'air de faire non de la tête, donc en tout cas, ce ne sera pas des critères. Et inversement, est-ce que c'est possible d'être seulement locataire d'un habitat léger et de ne pas être propriétaire de son habitat léger? Non, alors dans ce montage, en tout cas, là, c'est pas possible. Et ça aurait posé plein de questions en fait supplémentaires de bah là aussi est-ce que c'est des privés qui vont financer comment on fait cohabiter dans les décisions des gens qui sont propriétaires, des gens qui sont locataires. Voilà, on a fait ce choix que ce soit pas possible. Et s'il y a des personnes qui ont des difficultés financières pour finance pour leur habitat, en fait, vraiment pour le financement de leur habitat qui ne leur permettrait pas d'être propriétaires. Je les invite à venir vers nous pour qu'on les redirige vers un certain nombre de solutions qui peuvent exister aujourd'hui. Voilà, on a l'impression qu'en tout cas, il n'y a pas forcément de bonne raison, entre guillemets, dans ce cadre-là et dans ce projet de préférer louer et payer de l'argent à quelqu'un qui serait juste propriétaire de l'habitat. Et la dernière chose, c'est que ça permet d'instaurer un cadre où il n'y a que des personnes qui vivent là, qui résident là, qui sont propriétaires en résidence principale et où ça ne peut pas devenir plus tard un projet locatif type business. J'ai deux questions en lien. Il y en avait une, c'est est-ce que c'est possible de faire des crédits immobiliers ou bien alors on pourra faire que des prêts à la consommation? Alors, c'est un sujet qui n'est pas évident, évident, parce que voilà, les banques mettent un peu de temps à bouger sur ces sujets. Il y a des gens qui ont réussi à obtenir des crédits immobiliers pour des projets de ce type. Quand il y a un terrain, un bail emphytéotique ou en tout cas une sécurité foncière dans le temps, c'est plus difficile pour les habitats de type tiny house quand même. Le côté mobile, mais après il ne faut pas forcément déclarer les roues, mais le côté mobile pour les banques, ça pose un petit peu des problèmes. Voilà, donc et il est aussi possible, je sais qu'il y a aussi des banquiers qui ont réussi à faire des systèmes un peu hybrides où il y a des prêts sur 12-15 ans avec des taux qui sont pas vraiment ceux d'un crédit immobilier, mais qui sont clairement pas ceux d'un crédit à la consommation non plus. Donc voilà, ça fait partie des solutions qui existent. Nous, on essaye de travailler pour bouger un petit peu aussi ce milieu-là bancaire voilà, qui a pas mal d'inertie. Je vais glisser une question inclassable entre mes trucs, mais que je trouve en lien. Comment, en tant qu'habitant mobile, on peut s'inscrire en tant qu'habitant de la commune, accéder du coup aux services, écoles, bibliothèques, espaces, et quid d'une participation financière à la vie de la commune, impôts locaux, voilà. Ouais, donc en tant qu'habitant, ça c'est important, en tant qu'habitant, dans les statuts de l'association, il y aura un statut d'habitant. Du coup, ça fera de vous un habitant de la commune et vous serez assujetti aux impôts locaux comme n'importe quel habitant. Voilà, donc il y aura pas de. Vous n'aurez pas besoin de vous inscrire à un CCAS ou des choses comme ça, comme parfois c'est le cas pour des habitants mobiles. Là, non, vous aurez un justificatif de domicile, vous pourrez voter sur place. Enfin voilà, vous serez un habitant comme les autres. Du coup, là, je suis plutôt dans la thème juridique et financement. Et il y en avait une sur l'accompagnement architectural que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est chaque personne qui le sollicite qui paye ou est-ce que c'est compris dans l'accompagnement global dans les 500 000 euros que tu avais chiffrés? Dans les 500 000 euros, il y aura un accompagnement sur la question de la. Enfin, il y aura la maîtrise d'œuvre, de l'aménagement et des espaces communs. Donc, forcément, pour définir le plan d'aménagement, on partira de ce qui existe, les projets d'habitat des uns des autres. Et donc, ça sera un élément qui sera inclus dedans. Après, il n'y a pas d'accompagnement au-delà des travaux initiaux qui est prévu. Donc, derrière, ça pourrait être intéressant de solliciter des partenaires comme peut-être le CAUE pour qu'il y ait des recommandations dans les cas de nouveaux habitats. Après, il est aussi très possible que le groupe d'habitants ait des compétences ou développe progressivement des compétences pour faire ça et pour pouvoir intégrer judicieusement un nouvel habitat. Et on est déjà accompagné par le CAUE parce que, comme on l'a expliqué au tout début, il y a en même temps
que le projet de Hameau Léger, il y a en même temps un projet de zone sportive, city-stade, machin, et il y a aussi un projet de jardin partagé. Et le CAU va nous aider à faire monter ces trois projets et à les intégrer dans le site, parce que c'est un site un peu d'exception, vous allez voir, c'est très très beau. Et voilà, l'objectif, c'est que tout s'intègre parfaitement dans le milieu, dans la nature qui est jolie là-bas, quoi. J'ai une question assez juridique. Est-ce que les baux seront individuels ou ce sera un bail au collectif? Et notamment, cette question-là, elle est en lien en fait avec des préoccupations qui sont l'usage, la transmission du terrain dans le cadre d'une succession s'il y avait un décès, par exemple. Alors, donc, il y aura un bail collectif pour la location du bail emphytéotique. Et ensuite, il y a différents montages qui sont possibles à l'intérieur du projet. Donc là, on travaillera avec un notaire, une juriste avec lesquels on a l'habitude de travailler pour définir, en fonction des besoins du groupe, quel est le montage à poser. Et donc là, ça dépend notamment de ce que le groupe veut faire en cas de décès, en cas de divorce. Enfin voilà, en fait, il y aura tout un tas de questions à se poser. Nous, on ne propose pas un modèle pour tout le monde parce qu'en fait, il y a différents besoins. Et il y a différents voilà, points de vue sur la question. Donc, par contre, on a une liste de toutes les questions à se poser. Et ensuite, il y a un accompagnement par un notaire, une juriste, parce que là, ça dépasse un peu nos compétences, pour mettre en œuvre le modèle exactement qui va bien. Ça peut être une sous-location à chaque foyer ou pas. Ce n'est pas obligatoire de faire ces modèles-là. Voilà. En résumé, en fait, à peu près tout est possible. Ça va être à chaque groupe de se positionner sur ces questions. Ce n'est pas des sujets qui arrivent très tôt, ça, normalement, ce n'est pas les sujets de base, mais quand même, c'est important que ces préoccupations émergent à peu près dès le début pour que vous puissiez en parler si c'est des choses très importantes pour vous, pour que vous validiez que vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde. Et ben, du coup, je propose de peut-être faire un pas en arrière et de redonner peut-être de la clarté sur ce collectif. Notamment, il y avait des questions, c'est quoi un ménage? Parce qu'on a dit qu'il fallait candidater en étant 3 ménages minimum et qu'ensuite, il y en aurait 12. Quoi un ménage? Alors, un ménage, au sens... Est-ce qu'il y a un nombre de personnes? Alors, une personne seule, c'est un ménage. Un couple, c'est un ménage. Un couple avec des enfants, c'est un ménage. Une personne seule avec des enfants, c'est un ménage. Je crois que j'ai fait tous les cas. Ça représente globalement l'envie d'habiter sous un même toit. S'il y a des ménages plus atypiques, c'est tant que l'idée c'est de vivre sous le même toit, c'est un ménage. Voilà. Des fois on utilise le mot foyer, ça peut être l'un ou l'autre. Oui. Et du coup, il y avait aussi des besoins de clarté sur est-ce que c'est un groupe de trois qui sera sélectionné, un seul qui va devoir se constituer ensuite plus grand, ou est-ce qu'il va y avoir quatre groupes de trois qui vont être rassemblés? Ça n'avait pas été très clair. Alors oui, on a envie de choisir un groupe au départ qui est bien aligné sur une vision. Ça peut être un groupe de 3, un groupe de 4, un groupe de 5, n'importe. Le côté forcer un patchwork, enfin forcer un mariage entre différents groupes, on n'y croit pas forcément. Peut-être que si vraiment il y a deux groupes qui ont l'air très 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 alignés sur la vision, on essaiera de pousser à une rencontre et des discussions un peu plus approfondies avant de vraiment faire le choix. Mais voilà, il y a une volonté de pas imposer un mariage entre différents groupes dans tous les cas. Voilà, ça c'est vraiment, je dirais, l'élément de base. Donc ça me semble hautement improbable. Enfin, il n'y aura pas quatre groupes de trois qui seront choisis, ça c'est sûr. Voilà, peut-être qu'il y aura une invitation forte à dire « mais rencontrez-vous, on sent que ça peut bien matcher ». Et voilà, mais globalement, ça sera plutôt un groupe qui sera choisi. Et on est bien d'accord que c'est un groupe minimum de trois, mais qu'on peut être plus que trois foyers, trois ménages. Oui. Et il y avait une question sur, après, le groupe, il est accompagné pendant un an avant de s'installer. Est-ce que c'est possible de devenir un groupe de 12 en juste un an et de savoir vivre ensemble en rien qu'une année? Alors, donc le groupe, il va être accompagné pendant un an
Puis ensuite, il va. En tout cas, nous, l'idée, c'est qu'on le rende le plus autonome possible. Mais ce n'est pas au bout de notre année d'accompagnement que le projet il sera tout bien terminé et tout ça, ça c'est certain. Donc, ça dépend de la maturité du projet d'une part. Ça dépend des rencontres qui seront faites d'autre part. Après, on détaillera beaucoup plus ces points demain matin dans la présentation sur les enjeux humains. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'enjeux humains d'un projet. Il y a des phases de séduction, des phases de rouspétance. Enfin, voilà, aussi, chaque groupe traverse différentes phases. C'est impossible de pouvoir vraiment, nous, se projeter sur quelle va être la vie d'un groupe, parce qu'il y a, autant de vie que de groupe. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif, ce n'est pas de se dire on a un an pour être 12. Voilà, il y a pas, y aura déjà plus de temps, puisque dans tous les cas, même au bout d'un an, les travaux, ils seront. Un an, c'est pour démarrer les travaux, hein, quand même, on sera en avril. Et ce qui est sûr, c'est que intégrer des personnes petit à petit, c'est quelque chose qui va être important de faire si le groupe est très peu nombreux, parce qu'il y aura du boulot. C'est un élément aussi sur lequel je veux insister. Il y aura des choses à faire, même si nous, on va être là pour accompagner, la commune va prendre en charge un certain nombre de choses, mais ça demande du temps, ça demande de passer du temps ensemble, d'approfondir. Et ça, les groupes vont aller à des vitesses très, 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 très différentes. Moi, je peux prendre un exemple avec notre groupe où nous, on a décidé, en attendant de pouvoir s'installer, de faire une espèce de grosse colocation. Donc, on a vécu ensemble pendant 6 mois. Et donc là, forcément, on s'est connus de manière beaucoup plus intense à ce moment-là. Je ne dis pas que c'est une bonne chose à faire pour tout le monde, hein, c'est à double tranchant. Mais donc, on a passé beaucoup, 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 beaucoup de temps ensemble sur cette étape-là. Et plus on va passer de temps ensemble, plus on va avancer vite sur ces enjeux humains. Voilà, ça, c'est une certitude. Et en même temps, chaque groupe a son rythme et ce sera très important de porter attention à ces différents enjeux de rythme qui ne sont pas les mêmes suivant les personnes. Il y avait aussi une préoccupation si dans une des équipes, disons qu'elle est de 3 ménages, il y a un des ménages qui fait faux bond. Qu'est-ce qui arrive au reste de l'équipe ? Alors, c'est aussi pour ça qu'on a mis 3 minimum. Il est possible qu'il y ait des gens qui se désengagent du groupe. C'est même très probable qu'il y ait des gens qui se désengagent du groupe. C'est pas gênant à partir du moment où... Si vraiment on sent que le groupe se disloque totalement, je pense qu'à ce moment-là, il y aura un signal d'alarme qui sera tiré. Le bail emphytéotique ne sera pas signé dans tous les cas tout de suite. Hein. Il y aura une phase entre le moment où le groupe est choisi et la commune dit « c'est vous qu'on a envie de prendre » et le moment où effectivement, ça y est, le projet il sera vraiment validé, tout est bien lancé. Donc, il y aura une phase encore où ça sera possible que si le groupe se disloque ou que vraiment... la commune se rend compte que ça rentre pas finalement dans le cadre qui est posé, ça soit remis en question. Voilà. Je pense que cette possibilité, elle doit exister et c'est important de le dire. Maintenant, voilà, ce sera qu'en dernier recours, si vraiment il y a pas la possibilité de repartir, c'est pas parce qu'il y a un groupe, un foyer qui part, en tout cas, que ça remet tout en question. Maintenant, s'il n'en reste plus qu'un ou que la communication elle est totalement rompue, bon, forcément, là, ce sera compliqué. Si j'élargis la question à le projet est installé, s'il y avait un décès ou un départ, comment on le gère ? Donc, cette fois, pas forcément du point de vue juridique, mais du point de vue humain. Ça, c'est un élément très, très, très important. L'accompagnement de la gestion des arrivées et des départs, de la vie de tout groupe. Y a pas de... Là, c'est pareil. Nous, c'est vraiment un sujet d'accompagnement spécifique. Chaque groupe se dote là aussi de ses propres règles d'une part, mais de ses propres coutumes ou manières de faire. Au-delà des règles, c'est important de voir ça d'une manière plus large. Ouais, chaque groupe gère ça différemment. Il y a souvent un délai de préavis avant de partir, pendant lequel on est redevable du loyer et des charges. Là aussi, ce délai il est à définir pour chacun. Voilà, ouais. Ça dépend. Donc. Mais mes questions qui restent sont souvent de l'ordre du facteur humain, c'était ma dernière pioche, mais du coup, ça permet d'aller plus en profondeur. Qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner et souder le collectif qui sera composé, du coup ?
Bah, plein de choses qui vont être aussi proposées par la personne qui va accompagner ce groupe en fonction du groupe. Donc voilà, je ne vais pas faire une liste de tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on met souvent l'accent sur des temps de partage qui sont un peu plus voilà, de l'ordre des émotions, de ce qui peut nous traverser, et mettre en place une routine où bah voilà, on ne va pas parler que du projet, mais aussi de choses qui voilà, peuvent être aussi plus personnelles par rapport au lien avec le projet. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on va vous inviter à vous positionner demain. C'est voilà, votre rapport aux émotions, au partage de choses qui sont un peu plus intimes. Il y a des personnes pour qui c'est très important de prendre beaucoup de temps pour partager ça, d'autres personnes qui sont très mal à l'aise avec ça. Donc bah, voilà, en fonction des envies du groupe, forcément, nous, on va aussi beaucoup s'adapter. Je peux compléter parce que moi, depuis 2 ans que je suis dans l'association, j'ai participé à cette activité d'accompagnement de collectif. Et donc, c'est ce qui est proposé au collectif Lauréat, c'est de l'accompagner sur une durée d'un an en ayant des rencontres régulières pour le doter à la fois d'outils opérationnels, comment faire son projet, mais aussi d'outils voilà, de gouvernance, de gestion du facteur humain. Donc, l'idée, c'est de vous apporter des ressources, des outils, des connaissances et de vous apprendre à être autonome dessus pour pouvoir ensuite être en capacité de vivre toutes les situations ensemble en tant que collectif. Et c'est vous qui allez définir le cadre de sécurité dont vous avez besoin, les règles que vous souhaitez mettre en place et les différents processus que vous voudrez respecter ensemble. Du coup, ça fait lien avec l'avant-dernière. C'est la charte à mot léger. Qui c'est qui la rédige? Alors, donc, quand on dit... Il y a deux choses, on peut entendre deux choses. La charte à mot léger, il y a une charte qui est une charte globale, c'est charte de tous les à mot légers. Donc là, qui est rédigée par l'association, mais en fait, c'est le cadre que j'ai présenté là. Par notre association. Ça, c'est le cadre qui est présenté là. Ensuite, à l'intérieur de ce cadre, chaque association va se doter. Chaque association d'habitants. Pardon. Chaque groupe d'habitants va se doter donc d'une charte qui va poser un peu des valeurs et des principes. Et cette charte va se décliner dans un règlement qui va être un ensemble de règles. Et donc voilà, nous, on va accompagner chaque groupe d'habitants à définir sa propre charte, qui est sa manière de voir le projet, ses valeurs, ses principes, et puis les règles qui vont en découler, qui sont les règles qu'elle souhaite se fixer. Et j'avais une question un peu plus inclassable. Y a-t-il une durée minimale pour éviter la rotation trop fréquente, le côté terrain de camping? De nouveau, sur ces questions d'entrée-sortie. Ouais, souvent, ça, c'est une peur qu'il peut y avoir, particulièrement de personnes qui ne sont pas dans le projet. Moi, ce que je vois, c'est que les personnes qui participent à ce type de projet, ils mettent énormément de temps et d'énergie. Et que personne n'imagine partir rapidement de ces projets-là. Alors, c'est un très mauvais calcul. Donc, il y a une... En tout cas, moi, je pars du principe que les personnes qui vont entrer dans ces processus, qui vont se donner les moyens de monter un projet de ce type et d'y vivre, veulent rester à long terme. Maintenant, dans la vie, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui nous amènent à modifier nos engagements, changer nos plans, et c'est important de l'anticiper. Et donc, c'est là où bah, peut-être il va y avoir des questions de préavis qui vont être mises en place, pendant lesquels ben, on va être redevable quand même du paiement des charges, etc., pour ne pas mettre le reste du groupe dans une situation inconfortable. Ça, là aussi, ça va faire partie un petit peu des règles dont chaque groupe va se doter. Parfois, il peut aussi y avoir la question de vouloir... En tout cas, il y a des groupes qui veulent que les gens soient là en permanence. Et s'il y a par exemple quelqu'un qui a l'habitude de partir 3 mois par an pour faire des saisons, ça peut... Il y a des gens que ça va mettre en tension parce que bah, quand même, on a envie de se voir, de partager pas mal de choses. Et donc ça, bah, c'est à chaque groupe aussi de pouvoir traiter ces sujets. Si c'est important pour quelqu'un dans son rythme de vie de partir vivre ailleurs 6 mois de l'année parce que c'est son équilibre, bah, c'est important de pouvoir le poser et de voir est-ce que, oui ou non, moi je suis prêt ou prête en tant que personne à avoir quelqu'un qui fait ce choix-là. Voilà. C'était toutes les questions. Alors, est-ce que peut-être à l'écoute de ces questions... Il y en a qui vont peut-être tiquer en disant « Mais ma question, elle n'a pas été lue. » Parce qu'on a fait une sélection de questions et il y avait un certain nombre de questions qui concernaient éventuellement des projets sur d'autres terrains
ou des questions assez générales sur l'habitat réversible. Et il se trouve qu'avec l'association, on a fait un MOOC, s'installer en habitat réversible, qui répond à beaucoup de ces questions. Et du coup, je ne les ai pas sélectionnées. Si jamais on avait vraiment du temps, je peux aller les chercher, mais elles sont assez vastes souvent. Un MOOC, c'est un cours en ligne pour information. Donc, c'est un cours en ligne qui est gratuit et qui est disponible. Vous pouvez le trouver sur le site de l'association Amolégé, par exemple. MOOC, M-O-O-C. Voilà, c'est ces cours-là. Là, il y a énormément d'informations là-dessus. Dans tous les cas, quand même, ces questions, on va y répondre, même s'il y a des réponses dans le MOOC. On va y répondre en plus sur la page de l'appel à projet et puis dans le compte-rendu qu'on vous enverra par mail. S'il y a des questions qui n'ont pas encore été posées, on peut en prendre encore 3-4 là parce qu'on a 10 minutes devant nous. Oui, moi je voulais savoir s'il était possible que des collectifs en fait qui sont déjà installés, des collectifs d'habitants qui sont déjà installés, puissent aussi soutenir ou aider d'une manière ou d'une autre, entre autres par des informations, peut-être des conseils si on a besoin, donc un collectif d'habitants en train de s'installer. Oui, c'est possible. Est-ce que la question, vous la posez en tant que personne qui aurait envie de partager de l'expérience ou en tant que personne qui aurait envie de savoir si ça sera possible d'obtenir des retours d'expérience? Je ne suis pas installée en collectif. D'accord. Voilà, donc ce serait plus pour des retours d'expérience, oui, effectivement. Donc nous, au sein de l'association Amolégé, on essaye de mettre en place un réseau d'entraide entre les porteurs de projets parce qu'on s'aperçoit que ça aide beaucoup tout le monde. En fait, les problématiques traversées sont les mêmes et chacun expérimente, innove. Voilà, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est un type de projet qui est quand même pionnier. Ça nous pousse aussi un petit peu à changer de logiciel par rapport à certaines manières dont on a pu être éduqué ou à des choses qui se font traditionnellement. Et donc, ça demande aussi une certaine volonté d'innovation, d'aller expérimenter d'autres choses. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de créer ces échanges. On le fait par des week-ends intercollectifs où il y a différents groupes qui viennent et qui se rencontrent et qui partagent sur leurs problématiques, sur les moyens qu'ils ont mis en œuvre. On le fait par des réunions mensuelles en visio auxquelles vous pouvez déjà participer. Il y en a une mardi soir. Où du coup, les différents collectifs viennent, peuvent amener des sujets, avoir des retours d'expérience. On va le faire aussi parfois dans le cadre de l'accompagnement quand il y a comme on accompagne plusieurs types de projets, on peut aussi faire intervenir des personnes ou vous présenter des retours d'expérience. Et enfin, on documente aussi en interne, c'est un des gros projets qu'on a pour cette année, des retours d'expérience qu'on va mettre en ligne petit à petit sur une plateforme dédiée. Et donc voilà, on produit des articles et parfois des vidéos sur des retours d'expérience qui, à notre avis, peuvent servir à tout le monde. Merci. J'ai posé la question sur papier, mais du coup, elle n'a pas été. Je voudrais quand même la poser. Est-ce que le projet y rend possible la transformation de l'habitat ou l'ajout d'un autre habitat, l'agrandissement en gros? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu répondu tout à l'heure, mais j'aurais des précisions là-dessus. Oui, alors donc il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau urbanisme, le niveau réglementation du PLU. Là, oui, tant qu'on reste dans le cadre, c'est possible et il n'y aura pas besoin de formalités supplémentaires. Ensuite, il y a la question qui est plus de l'ordre des règles internes au collectif. C'est-à-dire que forcément, s'il y a une extension, le collectif va devoir se doter d'outils de décision pour dire est-ce qu'on accepte cette nouvelle installation, vérifier peut-être qu'elle ne porte pas préjudice à des voisins, etc. Et donc, il y aura un processus qui sera mis en place par le groupe pour valider ces nouvelles installations. Voilà. Mais tant que ces processus-là sont respectés, il n'y aura pas de problème. Moi, j'avais une question par rapport à l'aménagement du terrain. C'est pareil, elle n'avait pas été sélectionnée, du coup, je la pose quand même. Est-ce que le Ruristade et le jardin partagé seront à une distance assez quand même éloignée du terrain ou est-ce que c'est vraiment juste à côté? Eh ben, du coup, cet après-midi, on fait une sortie sur le terrain, vous allez voir.
Effectivement, c'est une zone de plusieurs hectares et la distance, ben, ça dépend comment vous appréciez les distances. On peut dire que c'est pas loin, parce qu'effectivement, c'est pas loin. Comme l'école n'est pas loin, l'école, elle est à 200 mètres à pied. Mais voilà, c'est sur le même site et cet après-midi, vous pourrez vraiment apprécier l'implantation des différents éléments. Et c'est travaillé par les habitants aussi. C'est en cours. C'est en cours, oui. Oui, voilà, moi en tout cas, j'ai confiance que ça va être des sujets qui vont être faits en concertation. De toute façon, c'est vraiment un peu l'ADN aussi de cette équipe municipale. Et donc voilà, c'est ça. Après nous, ça nous a, dans le cadre de l'étude de faisabilité, ça nous a pas semblé du tout problématique. Au contraire, on a vu ça comme un élément qui allait permettre de créer des ponts, en fait, entre différentes franges de la population. Un élément aussi très chouette pour des familles qui auraient des enfants qui pourraient aller jouer pas très loin. Donc voilà, ça nous semble. En tout cas, nous, ça ne nous semble pas du tout problématique. Et la partie jardin partagé, bon là, ça ne devrait pas être très, dans tous les cas, source de grand-chose au niveau nuisance, mais c'est pareil, ça va permettre, là aussi, de créer de l'échange, d'avoir plus d'espace, puisque c'est autant d'espace qu'il n'y a pas besoin de mettre dans les 7000 m² constructibles. Oui, j'avais une question, c'était un peu à la mairie, et... C'est déjà super d'avoir que ce soit une commune qui propose ça, mais c'est quoi l'idéologie que cette commune a ? Quel est le rêve qu'elle a pour ce projet ? Parce qu'elle attend, elle va sélectionner des gens. C'est quoi les critères ? Pourquoi ils sélectionnent justement ? Ils ont peut-être une idée derrière d'un truc. Est-ce qu'on peut entendre un petit peu pourquoi ils ont créé ce projet ? Peut-être c'est l'objet de cet après-midi, hein, mais c'est alors... quoi leurs attentes voilà. Juste en intro, après je laisserai la commune en intro. La sélection, c'est plus nous qui l'amenons, parce qu'on pense que c'est nécessaire d'avoir un processus qui soit transparent, qui soit équitable, où les différentes personnes qui veulent candidater puissent le faire. Et pas de nous dire à la commune, bah tiens, nous on vous propose eux, ils ont l'air sympas. On n'avait pas envie non plus de prendre ce poids en tant qu'association de choisir les futurs habitants. Voilà, donc déjà, ça c'est juste en introduction, c'est pas la commune qui a dit « nous, on aimerait bien choisir les gens ». C'est vraiment nous qui avons dit « en fait, ayez conscience qu'il y a plein de gens qui vont vouloir candidater, qu'il va falloir mettre en place un processus, que ça va être difficile de choisir et que voilà, il faut bien faire quelque chose ». Donc ça c'est en introduction, un petit peu ça. Après, sur... les envies, moi je dirais que, en tout cas nous en tant qu'association, le conseil qu'on va faire à la commune, c'est de miser sur un groupe qui a l'air d'avoir les épaules pour porter un tel projet. Les épaules, la maturité. Voilà, je pense que, en tout cas, le côté maturité du groupe est important pour éviter de miser sur un groupe qui se disloque au bout de 3 mois et puis on doit repartir au stade précédent. Voilà, donc l'important, c'est de se dire c'est un groupe qui va pouvoir réaliser le projet, qui rentre dans le cadre qui est posé au départ, c'est quand même important. Voilà, moi je crois que c'est surtout ça. L'important. Après, je crois que voilà, du côté de, moi, ce que j'ai senti du côté de la commune, et c'est pas toujours le cas avec les collectivités avec lesquelles je travaille, c'est que il y a une grande ouverture. Il y a pas, enfin moi, j'ai vraiment pas senti un. Mais je vais vous laisser. Mais voilà, j'ai vraiment pas senti des attentes fortes, ce qui était un peu déstabilisant pour moi parfois en disant. Ouais, mais comment vous allez choisir si... Mais bon, voilà, moi j'ai sorti cette grande ouverture, je vous laisse compléter. On a combien de temps là, en fait? Je vais être hyper courte. À Plessé, on a vraiment envie d'être une commune en transition. Et ce projet-là, il fait partie d'un tout. Ce que je voudrais bien dire, c'est que, en fait, là, évidemment, on est en train de travailler sur ce projet et tout. Mais le projet, pour nous, ce n'est pas un groupe d'habitants qu'on va regarder à la loupe
vous ferez partie des 5400 habitants de la commune avec qui s'intégreront de la même façon que n'importe qui en fait. Toutefois, une commune en transition, on en reparlera cet après-midi en termes de démocratie, etc., où on essaie de faire avancer les choses, on essaie de proposer autre chose. C'est un exemple parmi tant d'autres. Notre grande fierté, et Thierry l'avait déjà dit à l'occasion de journalistes qui nous avaient, enfin qui l'avaient, lui, interviewé. L'idée, c'est nous, on sera très fiers si ça essaime ailleurs. On n'a pas la vocation d'être en haut du podium, et etc. Ce n'est pas du tout notre philosophie. C'est juste de montrer aux autres collectivités qui sont un peu frileuses, parce que quand on parle habitat léger, on l'a vu, hein, quand on a fait les ateliers citoyens, il y avait des peurs. Vous faites un lotissement classique, personne ne vient vous poser de questions. Voilà. On ne vient pas vous demander, mais comment vont être les haies, comment les gens vont, les réseaux, etc. On ne vous les pose pas, ces questions-là. Tout simplement parce que l'habitat en soi va être différent. Tout d'un coup, il y a plein de questions qui se posent. Et pour nous, ça répond à un enjeu écologique, aussi d'accessibilité, puisque on est une commune rurale. On est loin de rien, mais loin de tout. Et on peut montrer qu'il y a d'autres façons. Malgré tout, il y en a quand même beaucoup là avec la crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour une qualité de vie qu'ils ne retrouvent plus en ville. On a tous nos avantages et nos inconvénients. On n'est pas plus. On a aussi des désavantages, hein, il faut le savoir. On n'est pas très, très bien servi au niveau de. Alors là, je ne vais pas vendre la commune, en fait, c'est nul. Mais il faut le savoir, en milieu rural, on n'a pas de bus qui vous emmène à droite et à gauche. On n'a pas de transport en commun, il faut généralement souvent deux voitures. Alors, on développe tout un réseau de voies douces pour justement faciliter les interconnexions entre les bourgs. On a un bassin d'emploi plutôt agricole et artisanal, donc les gros bassins d'emploi sont loin. Enfin, c'est des réalités qu'il faut avoir. Il n'empêche que ce n'est pas parce qu'on est une commune rurale qu'on ne peut pas essayer de travailler des questions qui aujourd'hui posent beaucoup, beaucoup d'autres questions à d'autres communes sur, en allant plus techniquement sur le zéro artificialisation net, qui est un enjeu qui va être important dans l'avenir. Et ça y répond. C'est une réponse. Et nous, on souhaite la porter parce qu'on aime bien bousculer les choses. On vous racontera ça cet après-midi. On aime bien être le poil à gratter. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres communes qui sont en train de regarder ce qui est fait ici. Et voilà, on sera fiers si il y a plein d'autres communes qui se lancent. Et ça serait super. Parce que je pense que l'habitat, il est pas. Il faut repenser l'habitat autant que la façon de travailler, autant que le social, etc. Toutes ces questions-là, elles sont importantes de les voir dans l'avenir qui sont plus peut-être ce qu'on a connu avant. Et nous, ça ne nous fait pas trop peur, en fait, d'imaginer autre chose. On est un peu utopique ici. Voilà. Est-ce que dans cette veine-là, il y a des temps de rencontre prévus avec la collectivité ? Peut-être des temps individuels, je ne sais pas. Et sinon, à l'avenir, est-il possible de les rencontrer ou de les solliciter pour mieux connaître la commune, ses projets, et voir si ça colle avec les attentes du collectif, enfin, pas les attentes, mais en tout cas les envies du collectif. À Plessé, on co-construit tous les projets. On fait des ateliers citoyens pour tout et n'importe quoi. Et celui-là, ce projet-là, il va être co-construit avec forcément avec le collectif qui sera sélectionné. Et ça veut dire que le collectif, il va se coltiner des réunions avec les ateliers citoyens. C'est-à-dire que voilà, c'est donnant-donnant, quoi. Mais on sera forcément amené à se rencontrer. Et les habitants, les riverains, les habitants de Plessé historiques, comme on va dire, hein, ils auront leur avis à donner aussi sur le projet, quoi. Et avant d'être lauréat, on a des emplois du temps surchargés, mais vous pouvez tenter votre chance.
cet après-midi, il y a un temps, chaque groupe aura un temps spécifiquement avec la commune qui présentera son projet. Et il y a vraiment quasiment une heure avec la commune pour chaque groupe. Ouais. Ouais, je vous invite vraiment à tirer profit de cet événement. C'est pour ça qu'on l'a organisé. Voilà, c'est en se disant que s'il y a 600 personnes qui contactent les élus, déjà, ils n'ont pas de temps de base, mais en plus, là, vu l'enthousiasme généré, c'est sûr que ça sera difficile. Donc, on a construit le programme de ce week-end, justement, pour permettre d'avoir ces réponses. Et il y a les élus, mais il y a aussi d'autres habitants de la commune. Il y a des habitants qui vont venir faire visiter le bourg, le terrain, cet après-midi. Donc, voilà, c'est autant d'occasions, d'opportunités, d'échanger, de mieux comprendre le contexte local, ce qui se fait ici à Plessé. Moi, j'ai une question concernant du coup votre expérience depuis 2017 sur l'accompagnement de ces projets. Est-ce qu'il y a des points de friction sur lesquels il faut être vigilant sur ces projets-là pour éviter justement de reproduire des... Comme c'est un peu nouveau, j'imagine que tout n'est pas super fluide. Donc, est-ce qu'il y a des points de vigilance sur lesquels il faut être attentif tous, autant à la commune que vous en tant qu'association et que nous en tant que particuliers? Plein. On pourrait faire 2 heures juste sur cette question. Je dirais que le numéro un, c'est l'humain. L'humain, l'humain, l'humain. En fait, tout le reste, ça se gère. Enfin, l'humain aussi, ça se gère, mais tout le reste, c'est réversible. On peut s'ajuster, s'adapter. Il y a des solutions à trouver pour tout. Si ça fonctionne plus sur le plan humain, si la communication est rompue, qu'il n'y a pas une réelle envie de faire avec l'autre, de se remettre en question, voilà, ça va être très difficile. Donc, ouais, moi, je dirais que si j'avais un seul truc à dire, et Maud, je te laisserai compléter avec volontiers, mais c'est vraiment d'amener du soin dans les relations entre les personnes. Et pour moi, c'est ça qui fait la clé de la réussite d'un projet, c'est ce soin qui amène à prolonger l'envie de faire ensemble et à pouvoir s'adapter, prendre sur soi, mettre de l'énergie aussi pour dépasser des petites choses qui peuvent être difficiles en communiquant de manière honnête, claire, entre nous. Voilà. Mais moi, j'avais envie de compliquer parce qu'en fait, ça compléter parce que ça peut être paradoxal. À la fois, ce concept de homologer, c'est quelque chose de très innovant. Donc, en fait, il y a beaucoup d'obstacles, en vrai. Mais c'est parce qu'on a constaté ces obstacles qu'on a proposé ce concept, et donc, il y a beaucoup de solutions. Et donc, je rejoins ce que dit Xavier, le premier outil qui va nous aider à passer tous ces obstacles, c'est le facteur humain, et c'est prendre le temps. Accepter aussi de prendre du recul. Enfin, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça prend beaucoup d'énergie, et on a besoin de le faire tous ensemble, et donc, c'est vraiment ça. Parce qu'il va y avoir, en fait, on peut en lister beaucoup des obstacles. Mais là, je pense que moi, comme Xavier, après plusieurs années d'expérience, on n'en a pas qui nous viennent en tête parce que c'est notre mission globale d'essayer de lever ces obstacles. Et vraiment, ce qui va jouer, c'est l'énergie qu'on y met, donc le temps que ça prend et la qualité de cette énergie qu'on va mettre dans nos relations pour le faire. Ouais, je pense que ça nous fait une belle conclusion. Avant d'aller manger, voilà, c'est des projets nouveaux, c'est des projets qui, moi, à titre personnel, me font énormément évoluer. C'est vraiment ça. J'apprends énormément, j'évolue. J'ai l'impression qu'en tant que personne, ça m'amène beaucoup de richesse. Mais ça me demande de l'énergie, de la volonté de me remettre en question, d'aller vers l'autre. Voilà. Et si vous cherchez un projet facile qui demande peu d'énergie, c'est pas le bon endroit. Vraiment. Par contre, si vous cherchez un projet qui va vous faire évoluer, qui va vous permettre d'approfondir les choses, d'aller peut-être tendre vers la vie que vous rêvez, et en même temps, en toute humilité aussi, et de vous, voilà, peut-être que vous en serez loin, mais d'avoir cette envie d'avancer, de cheminer vers, là oui, je pense que vous êtes au bon endroit. Et que voilà, aussi la possibilité de savourer le chemin, et de ne pas être trop arc-bouté sur le résultat, ah, j'ai envie de m'installer, mais le chemin, tout ce que je vis à travers ce projet, tout ce que j'apprends, ben là, voilà, je crois que ça peut amener des très belles choses. Alors, avant de vous souhaiter un bon appétit, je
va amener un certain nombre d'éléments logistiques importants pour la suite. Donc, bon, on est à peu près deux fois moins de présents que d'inscrits. Bon, ça veut dire qu'il y a eu un petit écrémage avant d'arriver, ou peut-être il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé. Donc, on n'aura pas trop de problématiques logistiques en termes de bus, mais quand même, vous avez des couleurs. Donc, ces couleurs, ça va correspondre au groupe que vous allez avoir cet après-midi. Du coup, il va y avoir des groupes qui vont se succéder entre les trois activités de l'après-midi pour que ça soit, voilà, pour pas faire débarquer 200 personnes sur le terrain. Donc, il y aura la visite du terrain et du bourg du Coudray, un échange avec les élus sur la commune de Plessé, le projet, etc. Et un moment plus table ronde avec des fabricants et fabricantes d'habitats légers qui vont être là. Et puis une table plus sur l'association Hameaux Légers, si vous avez envie d'en savoir plus sur les différentes choses qui sont proposées. Si vous avez des questions spécifiques pour l'association, vous pourrez venir les poser. Donc, les couleurs que vous avez, rouge, jaune ou vert, représentent votre groupe. Non, rouge, bleu ou vert. Rouge, bleu ou vert, je suis fatigué. Représentent votre groupe. Normalement, vous avez pu voir différents horaires. Je peux redonner les horaires de bus, si tu veux. Le groupe rouge, son bus est à 14h20. Le groupe bleu, son bus est à 15h15. Et le groupe vert, son bus est à 16h15. Voilà, donc ça, c'est important de pouvoir être. Les bus, ils partiront devant. C'est important vraiment de pouvoir être à l'heure. On rappellera dans tous les cas ici, avec le mégaphone. Ensuite, parmi les autres choses qui sont importantes, voilà, pensez bien à vous laver les mains avant d'aller manger. Il y aura un service dans tous les cas qui sera fait pour limiter un peu les manipulations diverses et variées. CEVAC me fait signe de rappeler la PLC, c'est ça, la participation libre et consciente ? Voilà, donc il y a une quarantaine de personnes qui n'ont pas été voir CEVAC par rapport à la participation pour couvrir les frais liés à l'événement. Merci d'aller voir CEVAC. Et si vous n'avez pas réservé de repas et que vous souhaitez en réserver, a priori, il y en a encore qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à venir voir CEVAC également. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est un petit peu d'aide pour mettre en place les tables de manière à ce qu'on mange. Donc voilà, on va convertir, on va laisser les quatre premiers rangs ici, les chaises sur les quatre premiers rangs. Les autres chaises, je vous demande de bien vouloir les empiler ou plutôt commencer par les disposer autour de tables. Il y a des tables rondes, etc., qui sont à droite à gauche. Et donc voilà, merci d'agencer les tables comme vous pouvez pour qu'on puisse manger assis. Merci, bon appétit. Bon appétit. Et au niveau des personnes sur Facebook, je vous rappelle que demain, du coup, on a trois présentations. L'enjeu humain du projet en habitat participatif, les outils et ressources utiles pour la gouvernance et le pilotage, et choisir son habitat réversible. Également, les personnes qui sont dans la salle, si vous n'êtes pas présent sur site demain, n'hésitez pas à venir sur le live Facebook. Voilà, je vous remercie Facebook. À demain.